Cette vidéo est sponsorisée par le Nelson Bar. Le Nelson Bar est situé en face du Temple National des Témoins de Jéhovah en allant vers Akasato. Coucou, salut, salut, bienvenue dans ce Flash Info. Mohamed Tidjani est officiellement un joueur de Yverdon Sport. Plusieurs informations dans une même vidéo, plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Venez tout simplement ici et suivez ce Flash Info du début jusqu'à la fin. Nous avons une grosse surprise pour vous. Mohamed Tidjani est officiellement un joueur de Yverdon. Le club suisse de première division a levé l'option d'achat. L'international béninois quitte définitivement Vitória Plzeň, un club de première division en République tchèque, pour s'engager avec Yverdon Sport. Il signe un bail de 3 ans et est désormais lié au club jusqu'en juin 2027, s'il vous plaît. Parce que, ouais, c'était un prêt avec option d'achat que Yverdon a effectué auprès du club tchèque de Vitória Plzeň. Ouais, la saison dernière, le solide défenseur central béninois de 1m90 a su élever son niveau de jeu et est devenu au fil bien sûr de la saison un élément clé du dispositif d'Alessandro Mangiarati et c'est son coach. Vous voyez, par rapport à la retraite de Michael Poté, des joueurs sont en train de faire des déclarations, des joueurs sont en train de lui adresser leur satisfaction. Et au nom de ces joueurs, il y a Kiki David qui a félicité son coéquipier, son capitaine, tout ce que vous voulez. Félicitations pour ta carrière, mon bon vieux père. Un grand merci pour tout et le meilleur pour la suite. Vous voyez, et Kiki David, il a félicité Michael Poté. Michael Poté, il a beaucoup apporté à la sélection nationale béninoise et il a beaucoup apporté aussi en club. Et il a décidé, bien sûr, de se reposer tout simplement parce qu'il a déjà formé des joueurs dans son académie. Joseph Poté, qui vous voyez, a fourni les Imuran, les Mariano Awangbo et lui, pourquoi jouer encore? Vous voyez, il a pris sa retraite. Les Guépa A-Prime ont amorcé le stage de 7 jours depuis le lundi 1er juillet à Ouida. Ouais, ils ont commencé sous les houlettes de Moussala Tundji et les Guépa A-Prime parce qu'ils vont disputer d'ici peu les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN et la préparation poursuit par rapport à tout ça. Bon, en tout cas, ce qui s'est passé dans cette équipe, vous voyez, par rapport aux listes déjà, il y avait eu des problèmes. Bon, telle personne ne doit pas être sélectionnée, pourquoi si, pourquoi pas telle personne. En tout cas, la liste est bouclée, place maintenant au travail et on espère que Moussala Tundji amènera cette équipe très très loin afin que nous ayons de très très bons résultats. Pourquoi pas? Parce que ce championnat d'Afrique CHAN n'a jamais profité au Bénin. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao. À l'aide du digital, le chômage n'existe pas. Tu ne peux pas avoir un portable Android et une connexion Internet et manquer d'argent. Prends ma formation YouTube qui va te permettre, bien sûr, de créer du contenu sur YouTube et de gagner de l'argent. Voir monétisation, bien sûr, de chaîne YouTube, TikTok monétisé, page Facebook, formation TikTok, formation YouTube. On fait tout ça là. Il n'y a pas de TikTok monétisé à 1500 francs. Il n'y a pas de TikTok monétisé à 2500 francs. Ils vont prendre ton argent, ils vont, bien sûr, bon, te roubler. Tu n'auras jamais l'argent dans la main. Ils vont juste faire des paramétrages et tu vas croire qu'ils ont déjà monétisé ton compte. Ils feront la même chose sur YouTube aussi. Donc confie-nous bien sûr tout ça là via un seul contact plus 229 53 63 à 87 à 30. Même si tu es salarié, tu peux créer du contenu et gagner de l'argent. Ça va te permettre d'arrondir tes fins du mois. Et tu n'es pas forcément obligé de t'afficher.